Il giorno dopo dice, avec mon père, travaillé, on avait un magasin à l'époque dans le quartier, on a vécu comme ça, je ne sais pas comment. Ben, j'ai commencé, ça a été, je ne sais pas moi tout seul, c'est quelqu'un qui m'a aidé, du début jusqu'à la fin, jusqu'à sa mort, le chef voyait, le chef ça. C'était lui le seul groupement qui existait ici à Bouguer. C'était le centre de Bouguer. D'accord. C'est avec lui que j'ai travaillé tout le temps, sans arrêt. Il m'a intégré dans son groupe. Petit à petit, il m'a intégré tout doucement dans son groupe. J'ai vécu comme ça pendant une dizaine d'années pour pouvoir me chanter tout seul. J'avais à peu près entre les 17 et 18 ans. Au départ, voilà, j'ai commencé à me souvenir de Frédéric à la station de Bouli, pas celle-là, l'autre, celle des Français. Ben, on nous a demandé de trouver des bonnes paroles et tout ça. On a été les chercher très loin. Il y a des types qu'on a ramenés même avec nous. Ici à Bouli pour vivre avec nous et en même temps profiter d'écrire tout ce qui nous est écrit. Et par la suite, on les mettait en ordre, on les mettait dans le sens opposé de la chanson. En dépendant un peu de l'orchestre de Chassada, j'avais mon propre travail à moi-même. Il y a d'abord Abliaz. Toujours le Haït Cheikh Saad, c'est grand. Parce qu'il parle aussi le Kabyle. Hein. C'est un grand Kabyle, c'est pas un petit Kabyle. Oui, je rends c'est Bliazet. Pourquoi? Parce que les gens ne font pas ce que pour dire Bliazet, c'est pas un mot. Il sort un peu de l'ordinaire, alors on l'avait fait. Même à la radio, tout ça, c'est ce qui passe en ce moment. Al-Babour Abou-Chmini, il dit aussi que c'est un hasard. Le Tharb Chines, c'est pris sur une famille ici qui habite à Bouji, juste à l'entrée de la ville. On faisait quand même des choses un peu de l'époque, ce qui se disait à l'époque, même dans la rue, dans les cafés. Il arrivait une époque où on allait même en dehors des villes pour aller dans les villages pour trouver des gens qui ne sont que poètes. Ils ne chantent pas, mais ils sont poètes. Comme Cheikh Al-Hassanawi par exemple, je me complais à l'entendre. Parce que vraiment, c'est un homme d'art. Il ne fait pas que l'art seulement de musique. Il fait presque tous les. Dans toutes ses chansons, c'est un pot pourri d'un peu de tout. À l'époque, il fallait des années pour passer un chant. Il nous fallait du temps pour le placer.
Parce que ce qui se passe en ce moment, ce qui se passe à la radio, maintenant, tous ces jeunes qui viennent chanter là, ils répètent les chants qui se font dans les maisons actuellement. Quand il y a des fêtes, quand il y a des... Ils leur donnent encore un autre... Voilà ce qui est passé. On ne voit rien là. On dirait que ça veut faire nous. La semaine nous avons fait un chat à la maison, à la mosquée, à la voyage. Et puis on dit qu'on dit on a vécu quand même de... Il y a eu des bonnes et des mauvaises périodes dans la vie. Hein. Il y a ça à la deuxième, mais c'est bien en fait. Voilà. قصد طافن بإبراهيم ويني عز الحاليم يكرد ضيض يتخميم يرقى المالك جبريل اللي جامي كيتو لا في الدبوزين ما جامي كيتو عارفوا عارفوا كيتو إنو ذنى بالخليل إيش يعيد غورك الوكيل مثل الذل مزمل ضحي غميك إسماعيل ضحي غميك إسماعيل.